Salut à toutes et salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis déjà désolée pour ma coiffure qui est vraiment pourrave, mais voilà, je suis en vacances, j'avais pas envie de me prendre la tête et j'ai un énorme truc ici. Donc bref, j'étais en vacances, je n'avais pas envie de me prendre la tête, donc je me suis dit bandeau, cheveux comme ça pour pas en avoir dans la gueule, et voilà. Je suis aussi un peu désolée pour la lumière. Alors je suis en fait dans la chambre de ma soeur, c'était ce qui était le plus pratique au niveau du miroir, de la lumière et de poser ma caméra quand même. Et du coup j'ai un peu du mal à mettre la lumière comme il faut, c'est-à-dire que là, je viens de me prendre dans la tête donc j'en ai partout. Et donc j'espère que ça le fera, normalement c'est ce qui était le plus joli entre guillemets possible, donc voilà. Donc j'avais en fait déjà commencé quand je me suis aperçue que la luminosité était merdique. Donc du coup je vais juste vous remontrer. Je tiens aussi à vous dire en fait qu'il y aura deux vidéos, vu qu'il y en a une aujourd'hui et une autre en fait. La seule chose qui changera, ce sera la couleur de mes yeux. Enfin, la couleur. Non, le maquillage, pas la couleur. Mes yeux seront toujours verts toute ma vie quoi, bref. Donc le maquillage de mes yeux, parce que voilà, il y en a un qui est plutôt or et un autre qui est plutôt gris. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Donc j'avais déjà commencé, donc je vous refais les étapes. Donc j'utilise ce produit-ci, qui est le produit ELF. C'est la base hydratante et c'est la base visage hydratante et elle est génialissime. Donc je vous en avais déjà montré une de chez Kiko que j'ai détestée, une autre de chez Deli, qui est pas trop mal, et en fait celle-ci c'est vraiment ma préférée de toutes, donc j'en ai utilisé que 3, c'est pas non plus énorme, mais voilà. Elle est tip top, donc j'en ai appliqué de partout. Bon là je ne vais pas le refaire vu que je viens de me maquiller, j'ai pas envie de me démaquiller juste pour ça. Donc voilà, donc elle est vraiment tip top et elle sent juste pas très très bon. Mais bon, sinon voilà. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint qui est le fond de teint Aven de chez... Enfin, oui. Le fond de teint couvrance de chez Aven, plus exactement, en teinte 3. Donc, c'est la teinte sable beige et qui est un fond de teint très joli pour les peaux sensibles. En fait, moi, j'ai pas forcément la peau sensible, mais tout de même, je vous avais fait il y a pas longtemps... un article sur mes fonds de teint préférés, et en fait j'ai changé d'avis depuis. Alors je sais pas si vous pourrez très bien voir, il est juste ici et donc en fait il est presque la couleur de ma peau, et donc là j'en ai appliqué déjà sur mon visage, je viens juste de voir que je n'avais pas appliqué de partout, donc voilà. Donc je me suis arrêtée ici et je l'ai appliqué, voilà c'est bon. Et je l'ai appliqué avec ce pinceau qui est un ELF que la marque m'a offert, qui est le Stipple Brush, que je ne vous conseille pas du tout, je le trouve pourri. Enfin moi je l'aime pas du tout et bah j'utilise parce que voilà j'ai que ça pour l'instant. Mais voilà personnellement je ne l'aime pas du tout. Donc on va continuer, je vais me taire et je vais me maquiller et je vous parlerai donc en fait par la suite. Oups là, si je défais ma coiffure et tout ça va pas le faire. Donc je suis désolée, j'ai une énorme tache en fait, donc je cache un peu les... ce qu'il faut pas. Donc voilà, donc bah en fait non, j'ai envie de parler, alors je vais parler parce que j'ai envie de parler, merde. Donc je vais ensuite appliquer ceci qui est les perles minérales de chez ELF que j'ai eu pour mon anniversaire parce que mon copain m'avait pris un... Arrêtez. Mon copain m'avait pris un bon d'achat sur le site ELF et donc je me suis acheté ceci. Est-ce que vous verrez l'autre truc aussi? Donc je me suis acheté ça, la base hydratante et... Oui, et un... Eh ben oui, j'allais oublier. Non, avant de mettre mes perles, j'applique ceci, qui est donc en fait un... Oh putain, mais j'ai perdu les mots, c'est horrible. Comment ça s'appelle ce truc? Un anti-cerne, voilà. Et j'ai acheté aussi avec le bon achat du coup. Donc il est vraiment pas mal, j'en avais plus en fait de l'autre. Donc voilà, donc j'applique juste là comme ça. Et après, je fais un énorme V, voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, je suis désolée, il y a ma caméra juste là, donc c'est plus pratique pour moi. Enfin, ma caméra. Mon miroir, pardon, juste là, donc c'est plus pratique hein, pour, me maquiller, pour filmer. Un miroir, ça filme vachement, ouais. Voilà. Donc, j'étale comme ceci. J'applique aussi là où j'ai mes petites imperfections et autour de ma bouche
pour lui donner de la lumière. Donc je me munis ensuite de ces fameuses perles que j'ai reçues pour mon anniversaire du coup et qui sont en fait dans trois teintes, quatre pardon, quatre teintes. Je veux juste pas les faire tomber en fait, vous les montrant. Donc il y en a des roses, des blanches, des grises donc, et je des me munis marrons. ensuite. Pardon, je suis désolée, j'ai plus trop de voix, je suis un peu malade. Je me munis donc ensuite de mon pinceau My Little Beauty que moi j'apprécie et honnêtement j'ai pas de sous pour l'instant pour m'en acheter. Donc voilà, donc je fais comme ça. Le bruit ça suffit à lui-même, n'est-ce pas? Et je l'applique sur mon visage. Voilà. Voilà, donc ensuite j'ai deux propositions, enfin deux propositions, deux trucs que je vous conseille de faire. Donc en fait j'ai ceci qui est un highlighter en crème et ceci qui est un highlighter tout cassé en poudre. Ouais, en poudre on va dire. Et donc du coup ça dépend ce que vous voulez comme fini. Je vais vous montrer. Personnellement aujourd'hui je préfère mettre l'autre. Oh, parce que alors lui... Il est joli, mais il est très 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 voyant. Enfin, voyant. Et puis, c'est pas du tout Noël aujourd'hui, donc je me vois mal sortir comme ça tout à l'heure. Parce que voilà, là je suis encore en pyjama, mais il est quand même 4h d'après-midi, quoi. Donc au bout d'un moment, peut-être que je m'habille. Donc voilà, donc celui-ci, c'est celui qui est en crème que je viens d'appliquer. Je sais pas trop si vous pourrez voir. Et celui-ci, on voit pas trop quand même, hein. Juste qui est juste ici là, c'est celui voilà, donc qui est ça en c'est je sais pas si trop si vous pourrez voir mais c'est celui de MLF qui est beaucoup plus discret. Donc je vais appliquer juste comme ça 2-3 trucs sur ma tête. C'est un peu chiant avec la caméra. Donc comme ça parce que je ne veux pas non plus ressembler à une boule à facettes quand je vais sortir. Parce que bon voilà, je viens de le dire, il est un peu 4h de l'après-midi mais en même temps, c'est pas du tout Noël donc si je sors comme ça, ce sera un peu bizarre. Et voilà, juste sur le haut de mes joues. Parce que voilà, très honnêtement, il se suffit complètement à lui-même. Et là, je brille de mille feux. Donc j'applique ensuite mon petit blush que j'avais reçu dans la Glossy Box l'année dernière, je crois. Avec mon pinceau My Little Beauty pour les blushs. Donc j'en prends pas énormément parce qu'il est assez prononcé. Donc ensuite je vais commencer le maquillage de mes yeux et pour ceci je mets d'abord ceci qui est le Lash Plus qui est en fait pour faire pousser les cils et moi je le pose toujours avant mon mascara. Je sais pas très, honnêtement je ne sais pas si ça marche vraiment mais ça me les allonge au moins la journée. Alors bon. Voilà. Et ensuite, j'applique mon petit, comment ça s'appelle, base de maquillage, maquillage sur les yeux. Donc j'en mets très peu. Donc là, c'est la marque des billes parce que je n'ai pas du tout fini celui-ci. Je vais acheter carrément... Hop, voilà. Que j'avais acheté carrément avant l'autre, avant celle pour le visage, mais je l'ai fini avant celle pour le visage. Donc bon, pas génialissime, mais je trouve que celui pour les yeux est mieux que celui pour le visage en fait. Donc c'est sympa, j'ai des swatchs de partout sur mes mains, c'est cool. Donc voilà, donc je vais commencer en fait, en attendant que ça sèche un peu, commencer par mes sourcils. Parce que voilà, moi en ce moment je les maquille beaucoup mes sourcils, alors je sais pas du tout pourquoi, mais bon voilà. Donc j'utilise pour ceci le pinceau de chez que j'ai eu dans le kit à maquillage pour sourcils de chez Claire's. J'utilise que le pinceau, parce que le reste je trouve que c'est une calamité.
Je ne vous en ai pas encore parlé, mais je ne sais pas ce que j'attends. Mais c'est vraiment. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment pas un truc super. Donc, je suis pas du tout contente. Pas du tout contente, hein? Voilà. Donc, je maquille mes sourcils. Je suis désolée si je ne vous regarde pas, mais comme il y a mon miroir ici et que je ne veux pas faire de bourde. C'est quand même plus pratique, quoi. C'est quoi ce truc? Donc je pense que la différence est assez flagrante. Flagrante, je ne sais plus parler. Entre avant et après. Et donc ensuite, je vais appliquer ce fard là que j'utilise maintenant que pour mes sourcils, qui est le boho naturel. Et c'est le café, donc 104. J'utilise pour mes sourcils parce qu'en fait, il est plus proche de mes sourcils, de la couleur de mes sourcils, pardon. J'ai les mains qui glissent, donc j'arrive pas à voir le truc. Qui est plus proche de la couleur de mes sourcils, et puis je ne l'utilise pas du tout en tant que fard à paupières parce que c'est pas trop mon genre. Ça glisse, c'est horrible. Bon, bref. Voilà, donc du coup, ça change quand même pas mal. Ils sont assez prononcés, mais je mettrai de toute façon un papier tout à l'heure pour un peu enlever. Donc voilà. On va éteindre pour allumer. Sachez que ma caméra est une vraie calamité, donc elle s'éteint toutes les 10 minutes. Donc c'est pour ça que des fois, j'éteins pour allumer ensuite. Ah, ma tâche! Parce que sinon, c'est pas possible. Donc du coup, je vais commencer. Comme je vous avais dit, je vous ferai deux maquillages. Donc je vais commencer par celui qui est de couleur or. Donc pour ceci j'utilise plusieurs ingrédients. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tout d'abord j'utilise ceci qui est toujours de la marque ELF. Vous pourrez voir que j'adore la marque ELF. Je m'achète beaucoup de produits là-bas parce que surtout j'ai pas beaucoup de sous. Et honnêtement c'est pour la qualité et le prix c'est super. Donc celle-ci c'est aussi la marque qui me l'a envoyée. Et c'est Natural Glow 31216. Donc voilà, donc c'est comme ça, et en fait c'est un fard crème, je voulais absolument tester, je pense que j'avais pas dit cette teinte là, mais bon c'est pas grave, j'ai reçu cette teinte là, donc ça sera parfait pour Noël. Oulala. Alors normalement sachez qu'il y a un petit pinceau avec, et que moi je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas ce pinceau, tout simplement. Bon, un de mes yeux est un peu une calamité, j'ai l'impression. Donc voilà. C'est pas le truc le plus pratique à poser, mais bon. Surtout que mes yeux sont hyper. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais ensuite prendre donc ce crayon que j'avais eu dans My Little Box, My Little Beauty. Crayon lunatique, donc en fait il a deux côtés, un côté gris que j'utiliserai tout à l'heure et un côté marron que j'utilise pour ce maquillage là. Donc celui-ci je vais le porter, le poser juste là. J'ai l'impression qu'il marche pas. J'ai un peu l'impression que ça change rien. Si, c'est bon. Donc je le pose en fait au-dessus de ma paupière mobile pour donner un regard plus grand, dirons-nous. Et voilà. Et en fait, juste à l'extrémité externe de ma paupière mobile. Oui, voilà, c'est ça. Donc je pose ensuite
Le love, je suis désolée, j'ai les mains qui brillent, c'est horrible. Le love de by, Make My Lemonade que j'ai reçu dans My Little Box ce mois-ci. Je ne suis pas hyper fan de la couleur, mais pour le maquillage, ce sera parfait. Donc j'utilise ceci et je prends ce pinceau qui est aussi de My Little Box, donc qui est comme ceci. Donc voilà, hop. Et j'en pose sur l'extérieur de ma paupière. J'ai fait une gaffe. Mes yeux sont terribles à maquiller aujourd'hui, c'est... Voilà. Ok, mais j'ai un côté beaucoup plus noté que l'autre, c'est sympa. Donc il est très très prononcé, hein. Regardez, je viens d'enlever tout ça. Donc il faut vraiment en mettre assez peu. Voilà. Et j'en mets aussi sur ma paupière du bas. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première étape. Je suis désolée. C'est un peu compliqué pour me maquiller aujourd'hui. Bref, on s'en fout, mais voilà. Et ensuite, je vais appliquer ceci, donc qui est le 16, l'ombre à paupières 16 de chez Kiko. Pour cela, j'utilise ce pinceau-là, qui est aussi celui de chez Kiko Ace 200. Donc là, voilà, en fait, c'est juste pour avoir des paillettes. J'en pose au-dessus de ma paupière, donc c'est ma paupière immobile, et je viens poser ensuite. Je pose ensuite donc ces fards-ci. Donc tout d'abord celui-ci qui est de la palette d'Yves Rocher. Il n'y a pas de nom, donc voilà. Donc une palette comme ceci qu'une de mes copines m'a offert. Donc j'applique celui-ci avec un pinceau de chez ELF, qui est le Professional Eyeshadow Brush. Et donc je vais appliquer là. Comme ça, juste en petite touche. Voilà. Et ensuite, avec mon doigt, j'applique celui-ci. Juste là. Donc voilà pour la première partie. Et je pose ensuite celui-ci, donc de la palette Rimmel London Smoky Brain. Au-dessus. Voilà, juste en dessous de mon sourcil pour mettre un petit peu de lumière. Donc je brille complètement de mille feux, n'est-ce pas? Et je viens appliquer ensuite ce mascara, donc qui est le Volume Glamour Max Waterproof de Bourjois, qui est mon mascara du moment et qui est top.